Bonjour, je m'appelle Élise Jolicoeur, superviseure de la planification et de la certification forestière pour Domtar. Je suis contente de vous parler aujourd'hui, même si les circonstances ne nous permettent pas de vous rencontrer en personne lors du salon forestier et acéricole ou encore dans une visite en forêt. Alors, aujourd'hui, je suis dans une éclaircie commerciale feuillue. On a choisi ce lieu parce que on veut vous présenter les outils virtuels de Domtar et on a deux visites virtuelles. Une visite sur l'éclaircie commerciale feuillue et une seconde sur les plantations de peupliers hybrides. Et tout ça à travers notre plateforme Mirador. L'usine de Domtar à Windsor produit du papier depuis plus de 150 ans. Cette usine est une des usines au Québec qui consomme le plus de bois feuillu. Les terres privées de Domtar, où nous nous trouvons présentement, sont certifiées selon les normes FSC, SFI et ISO 14001. Ces normes garantissent que l'aménagement des forêts privées de Domtar respecte les plus hauts standards environnementaux. Au cours des prochaines minutes, vous apprendrez comment utiliser le site Mirador. Le site Mirador vous permettra de visualiser les 160 000 hectares que Domtar possède en Estrie et en Beauce. Vous pourrez aussi y visualiser des capsules vidéo sur les différents traitements que nous appliquons, comme l'éclaircie commerciale et la plantation de peupliers hybrides. Bonne visite! Domtar, c'est une entreprise qui compte 160 000 hectares de propriétés privées dans le sud-est du Québec, qui sont certifiés aux normes ISO 14001, FSC et SFI. Sur ces terres, les activités forestières cohabitent avec les autres utilisations du territoire. La plateforme Mirador a été créée afin d'entrer en communication avec ses différents utilisateurs et leur transmettre l'information relative aux travaux d'aménagement forestier de façon conviviale et interactive. Mirador permet de naviguer librement sur la carte. Activez le GPS de votre appareil mobile pour suivre votre positionnement en temps réel. Prenez le contrôle de l'information. Avec Mirador, vous avez la liberté d'afficher l'information que vous désirez. Mirador vous permet d'accéder au plan d'aménagement forestier de Domtar en version française et anglaise. L'outil de recherche permet de localiser un club de chasse et pêche, une municipalité ou une MRC. Exportez votre carte en format PDF à l'aide de l'outil d'impression. Calculez les distances et superficies de façon interactive sur la carte. Les visites virtuelles vous feront vivre une expérience immersive des travaux d'aménagement forestier de Domtar. Plus d'informations sur l'utilisation de Mirador, veuillez consulter l'aide. Si vous avez des questions ou commentaires, contactez l'équipe de Domtar à l'adresse suivante. Maintenant, je vais utiliser Mirador pour vous montrer les visites virtuelles. Pour accéder au portail Mirador, vous n'avez qu'à inscrire dans la barre d'adresse mirador.domtar.com. Vous arriverez à cette fenêtre qui vous accueille et vous informe des dernières nouvelles.
Pour accéder aux visites virtuelles, vous n'avez simplement qu'à appuyer sur le bouton « Visite virtuelle en forêt ». Des cercles bleus vont apparaître dans l'écran. Chacun des cercles bleus représente un des sites de chacune des visites virtuelles. Pour accéder à une visite en particulier, zoomez sur la carte jusqu'à arriver au site désiré. Nous débuterons la visite avec l'éclaircie commerciale, feuillue. La marche à suivre pour faire la visite virtuelle est relativement simple. Vous pouvez naviguer au gré de vos envies à travers les différentes vues. Vous pouvez visiter avec le bouton ici, voir la liste des citations. Dans le cas de l'éclaircie commerciale, nous avons l'entrée du peuplement, avant l'éclaircie, pendant l'éclaircie et après. Vous pouvez également utiliser la fonction automatique qui défilera chacune des stations les unes après les autres. Vous pouvez voir où vous vous situez présentement en regardant en haut à droite de l'écran. Chacune des sites de visite virtuelle est composée d'une photo hémisphérique à 360 degrés et à l'intérieur de chacune de ces photos, des éléments interactifs sont présents. En appuyant sur les éléments, vous pourrez obtenir de l'information, soit un texte, soit une vidéo, ou encore des petites capsules, des petites bulles d'information. Pour vous déplacer manuellement à travers la visite virtuelle, vous repérez les flèches comme celle-ci. En appuyant, vous pourrez évoluer à travers les différents sites de l'éclaircie. Pour faire la visite, vous pouvez utiliser votre souris ou encore les flèches qui se situent en bas de l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur certaines sections. La visite virtuelle du peuplier hybride est construite sensiblement de la même manière que celle de l'éclaircie commerciale feuillue. Trouvez sur la carte une des pastilles bleues, zoomez sur la visite que vous voulez faire, appuyez dessus. Vous arriverez à l'entrée de la plantation. De la même manière que pour l'éclaircie commerciale, la visite de peuplier hybride est constituée de photos hémisphériques qui vous permettent de naviguer à travers celle-ci. Deux éléments sont cependant nouveaux à cette visite. Vous pouvez appuyer sur la petite carte, le petit globe terrestre, afin de voir sur la carte l'emplacement des différents sites. Vous avez aussi accès au petit trépied qui est la présentation que Patrick Cartier a fait lors du colloque des plantations de 2015. Vous aurez plusieurs diapositives sur le sujet, les conclusions du bilan de peuplier hybride chez Domtar et l'audio de la présentation du colloque. Aussi, vous retrouverez en complément d'information dans la section « Documentation », la réponse à la majorité des questions qui sont posées sur la populiculture. Pourquoi les monticules? Pourquoi et comment la valorisation sylvicole des biosolides papetiers ou des boues municipales? Ainsi que plusieurs vidéos sur les opérations forestières et puis la santé et sécurité en forêt. En conclusion, je vous invite à communiquer avec l'équipe de l'approvisionnement en fibres à travers l'adresse courriel foresterie.windsor@commercialdomtar.com pour toute question ou commentaire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir nos visites virtuelles.